Bon, ici, moi, j'ai déjà croisé quelqu'un sur Mario Kart 8 qui jouait Jésus. Puis lui, il joue tout le temps sur la défensive. Ça va être exactement la même chose qui va se produire ici. En évitant ses adversaires, il va surtout souvent utiliser ses attaques spéciales pour nous vaincre. Avant d'effectuer soit un smash ou un smash dans les airs. Un des deux. Avant d'enchaîner quoi que ce soit, il va par attaque spéciale. Puis ensuite, sa défensive. Regardez, il recule. Il va être le party. Après ça, il fonce dedans. Regardez, il recule. Il avance. Frappe, recule. Toujours en train de reculer. Jamais d'avancer. Regardez, encore il recule. Mais il continue pas à donner de la pression. Il va jouer sur sa défensive. Mais au moins, c'est pas une game qui s'est terminée sans chuter. Ça veut dire attaque. C'est pas pour rien que je t'attrape. Viens attaquer. Sinon, tu vas le regretter. Il fallait juste attendre tes adversaires avant. Moi, j'haïs ça. Moi, j'avais pas donné 70%. Regarde, là, il essaie juste de conserver son avance. Et voilà. Tout ce qu'il fait, c'est ça. À chaque fois qu'il a l'avantage, lui, il fait juste après ça conserver son avance. C'est juste ce qu'il fait. Et je me demande si ce sera pas le même Jésus que j'ai combattu sur Mario Kart un moment donné à 1 contre 1. À 1 contre 1, j'étais dans l'équipe des rouges, lui il était bleu. Puis il menait la game 3 à 0 en une minute. Puis pendant le reste du temps, ben il essayait de conserver son avance. Puis c'est ce que ça a donné, ben je l'ai remporté 4 à 2. Ici, on peut dire qu'il a été vraiment chanceux. Qui jouait contre du monde bien normal, qui était pas très fort pour lui. À part moi, là, mais tu sais, quand même. Quand même, souvent les joueurs de Robin, ils vont jouer distant, ils ont peur de leurs adversaires, ils veulent pas frapper avec. Puis que vous avez vu sur la dernière vidéo, j'ai joué Robin moi aussi. J'ai essayé. Puis ça n'a pas donné des résultats escomptés. C'est pas grave. Au moins j'aurais essayé. Mais c'était une bonne game comparativement à celui-là. Ce type de joueur-là, il s'assoit sur son avance. Mais par exemple, sans chuter, oublie ça. Oublie ça, je vais finir par te mettre KO, mais ça sera quelqu'un d'autre qui le fera à ma place. Au moins j'ai réussi quand même à gagner un point contre toi. Mais n'empêche que moi, ça m'impressionne pas du tout. Ce genre de performance. Désolé.